Hey, on est encore un peu au Moyen-Âge, hein? Ah bah si, quand même. Il y a des jeunes filles en ce moment qui militent pour pouvoir s'habiller comme elles le désirent, surtout en ces périodes où il fait très chaud, pour pouvoir s'habiller comme elles le désirent pour aller au collège ou au lycée, c'est-à-dire pouvoir arriver en short ou avec un petit t-shirt où on voit le nombril, par exemple. Ah, je vois qu'il y en a qui sont choqués, là. Parce que vous, quand vous voyez le nombril d'une nana ou quand elle arrive en short, vous avez envie de la violer, vous. Faut aller se faire soigner, hein, les mecs. C'est vous qui avez un problème, c'est pas les meufs, hein. Alors, donc les mecs ont tous les droits. Hein, les mecs, ils arrivent avec les t-shirts moulants, les muscles, les tablettes de chocolat, super, en short. Ils ont le droit, eux, hein. Ils arrivent, faut voir leur corps, tu vois, le culte du corps, quoi, tu vois. Et les meufs, par contre, c'est le vice, c'est la perversion, les filles. Ah, c'est X-Men rétro, Satanas. Salope, putain. Ah bah si, c'est ça, apparemment. Alors évidemment, on a posé la question à Monsieur Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale. On lui a dit, mais il faut que ces jeunes filles, il faut qu'elles aient quelle tenue exactement au collège et au lycée. Et il a répondu, tout dépend du point de vue, on se place de l'idée qu'on s'en fait par rapport à l'importance qu'on y attache. Je ne tiens donc pas à exprimer mon opinion sur ce sujet-là, mais il faut qu'elles adoptent quand même une tenue républicaine. Bon alors les filles, c'est compris, vous avez bien capté le message. La prochaine fois que vous irez en cours, collège ou lycée, vous sortez un boops, et si on vous dit quoi que ce soit, vous dites « Désolé, je suis dans une tenue républicaine ».